Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 15e épisode du Let's Play sur Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Dans l'épisode précédent, on a principalement affronté Rosso l'Écarlate, à chaque fois je dis Russo, mais c'est Rosso. Et donc là, on a vu Nero rencontrer Shelk. Balle de mitraillette. Bah, ce que je peux peut-être faire, c'est que je peux peut-être en vendre 90. Histoire de me faire un peu de sous. Maintenant, je peux pas les vendre. C'est de l'arnaque. On va explorer un peu tout ça. Voir s'il y a des trucs que je peux vendre. Que de phénix. Déjà, ça, je vais vendre. Ration tonus, c'est gratuit. Ah mince! Boulet, je suis en mode vente. C'est pas grave, c'est un petit fail, on n'a rien vu. On est généreux. J'aimerais bien avoir des munitions de pistolet éventuellement. Potion rouge, on va voir après. Des gils. Balle de pistolet 36, pas mal. Balle de fusil 12. Je vais voir pour la potion rouge si je peux la vendre. Et après, on va avancer un petit peu. En essayant de ne pas me faire troller, bien entendu. On va regarder si à combien elle coûte. Ouais, 10 pièces, ça fait cher. Ça fait 100, bref. Pour 10, je vais pas. Normalement, je n'ai rien oublié. Enfin, du moins, j'espère. Ok, faut que je grimpe par l'escalier. Enfin, par l'autre escalier. Hop, apparente. Je peux pas récupérer ce qu'il y a derrière? Ah, peut-être par en dessous. Il y a peut-être un. C'est un chemin que je n'ai pas encore débloqué. Aïe. Ok, en bas. Ils m'ont touché un petit peu. Par contre, mince. Comment je fais pour récupérer les objets en bas? C'est ça qui me... Il y avait deux valises en bas.
que je peux passer par là peut-être? Non, ça va pas être ça. Ça ne doit pas être ça. Là, j'utilise un peu le fusil pour essayer d'économiser mes balles de pistolet. Et ça me donne des sous. Ok. Des balles de pistolet, c'est cool. Une potion. C'est sympa aussi. Mais bon, encore une fois, on revient au niveau du QG, c'est ça qui est un peu... On a l'impression de revoir un peu toujours les mêmes endroits. Hop. Ok, bah oui, je suis à fond en magie, donc forcément ça ne veut pas. Désolé. Pour pouvoir retourner chercher les terres rouges. En tout cas, la zone a l'air quand même assez large, assez complexe. Je vais essayer d'explorer un peu toutes les salles. Bah, de toute façon, je crois que j'ai pas trop le choix. Non, j'ai pas le choix. Thank you.
Y'a rien à faire là? Bah, je pense que non. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs à récupérer ou à casser, mais je crois que c'est vide, hein. J'entends les petites bêtes. Ça grouille de quel côté là, les bêtes? J'espérais pouvoir tuer les deux avec les... Avec la magie. Ah, ça va pas vouloir l'utiliser probablement. En tout cas, on récupère des sous, hein. Là, j'ai dit, il y a un truc à droite. Oula! Je vais quand même me racheter des balles de pistolet. À moins que je puisse optimiser un truc. Alors là, quand je vois le temps chez moi, je me dis, il faut que je fasse attention quand même. Parce que là, c'est très couvert, ça sent l'orage. J'espère que je pourrai vous enregistrer au moins l'épisode en entier. Ça pue tellement le piège là-dedans.
J'ai bien fait d'acheter des balles de pistolet, dis donc. J'ai l'impression que ça me troll un peu le jeu par moment. Saloperie. Désolé pour le petit saloperie qui est sorti du fond du cœur, mais au moment, faut dire ce qu'il faut dire ce que c'est. J'ai l'impression d'être suivi par une bestiole. Aïe. Aïe. Ça s'est pas trop mal passé ce combat là. Pour une fois, je me suis pas soigné. Bon, j'ai utilisé. J'ai utilisé un truc de magie, mais je pense que j'ai bien fait. Au moins, j'ai gagné un peu de temps. Ouais, je pense qu'il n'y a rien à prendre. Ah, mais des fois c'est pas précis, ça, on est sur le truc et puis ça saute. Ok, donc y a pas de porte dans le fond. Récupérer les fichiers top secret. Ok. D'accord. Par contre, toi, c'est un peu. J'aime bien avoir une.
Mince. Trois mille gis qui font plaisir. Il y a une valise. Comme ça, je suis soigné. Je pense que là, j'ai fait tout le tour. Là, c'est là où j'ai le rapport. Je suppose qu'il faut que je reprenne l'ascenseur. Non. Ah, là, il y a une grande porte. Ok. Ok, on a gagné notre temps, je pense, en courant comme ça. C'est qui s'énerve? Pourquoi tu t'énerves à tirer comme ça? Ah, mais c'est de l'autre côté! C'est de l'autre... C'est de l'autre côté qui s'énerve derrière la porte. Là, il y a un petit glitch, je pense. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il me voit. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Ouais. Il y a un petit rapport, ok. Ah, c'est relou qu'il n'y ait pas de map, je sais pas où il faut que j'aille. Désolé madame. Ah, excusez-moi madame encore. Je vous avais pourvu. Ok, il n'y a rien de caché là. Vincent,
Cloud. It's been a while. Sid's airship. We lost contact about 15 minutes ago. I don't think we have to worry though. Those two should be fine. Yeah, and what about you? What do you think? Great! You can count on us. When I cruise, there won't be a single second dead! Right. And as for you... Don't worry. Leave deep ground to me. Can you hold on a second? Tifa! Got it! Vincent, I'm sending you a map of the Shinra building. Ah, merci Tifa. Je savais que je pouvais compter sur toi, Tifa. Bon bah, là il me reste plus grand chose à faire. Deep ground is below the complex. Take an elevator as far down as you can. Good luck! Give him help, Vincent! Barrett, I thought I told you to- Don't go getting yourself killed now. J'ai vu. On a vu une autre. Je t'entends. T'es où? Je t'entends, t'es là. Je t'ai vu, t'es là. Il y en a une autre qui est là. Je t'ai vu. Attends. J'entends plus. Alors les amis, je pense que je vais m'arrêter là, je vais faire une sauvegarde. Tout simplement parce que là ça craint enfin au niveau de l'orage, etc. Donc j'ai pas envie de perdre mes données. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.